partage la composition d'équipe alignée par Callisto Passua, le sélectionneur zimbabwéen, avec deux changements par rapport à l'équipe qui eh bien s'est inclinée face au Sénégal, avec le numéro 17 notamment, Noledje Moussona, qui a changé lors des deux premières journées. Le voilà avec son numéro 17 complètement à la gauche de votre écran, et il a marqué 16 buts en 28 sélections. C'est un joueur éminemment important, évidemment, avec position d'avançante. On devrait voir le joueur de l'air. Donc la pelouse du stade de l'Amitié a le plus souffert. Ballon pour Kenissi dans la profondeur, qui essaye de retrouver Ben Amor. Et fixer son vis-à-vis dans la surface de réparation, les petits crochets de Wabi Kadri, le centre de Sliti derrière au second poteau. Il y avait du monde, mais c'est au premier poteau. Et pour l'instant, la relation Sagni-Kazri. Son deuxième passage à la tête des Aigles de Carthage après perdu face à l'Afrique du Sud. Et ça joue avec le départ de Ben Amor, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Ça a permis l'intervention de Murwawa. Le contrôle. Il a maintenu le ballon dans l'air de jeu. Il l'a rendu. Ouais, et derrière Nakamba et Muro Ewa se sont pas très bien. Sassi qui a tapé à côté du ballon. La zone offensive. Récupéré par Msakni, le crochet court d'Msakni. Ce ballon qui... avec Kadri qui va retrouver Mahaloul, le petit crochet de Mahaloul qui ne va pas passer. Ce sera un corner quand même pour les Aigles de Carthage. Kama Biliat, il y a toujours un voire deux joueurs tunisiens qui sont vraiment collés au petit numéro 20 de cette formation. Face au Burkina Faso, ce stade de l'Amitié. Bien sur la mare, Sliti à l'entrée de la surface, la frappe contrée de Naïm Sliti qui derrière a... avec Mahaloul est possédé du ballon, chercher un bureau. C'est pas bien joué de la part de Muro Ewa. Ce long ballon amical contre l'Afrique du Sud, il avait fait faux bond. Il était revenu aux affaires quelques mois plus tard. Sa remise. Il a renversé le jeu là-bas. Compliqué leur tâche évidemment de manière assez importante. C'est vrai que
ne se contenterait pas de défendre le 0-0 avec Kazri, Sliti et Msakni. Ce quatuor offensif avec Kenissi qui a été particulièrement c'est lui qui encourage Yacine Kenissi à presser. Amouen Essou.